Eh bien oui, bienvenue en ce 14 janvier, 14-1, bon, du 4-1. Alors je suis arrivé à Tata, c'était 14h14. J'ai commencé à manger, c'est 14h41. Dingue, j'en ai rien à foutre, moi non plus. Ça veut dire, diamant, ça veut dire que le 12. À 12h12, il y avait 12 degrés. Le 13, à 13h13, il y avait 13 degrés. Le 14, je sais pas. Ils ont éteint la pancarte, où il y a le thermomètre. Tu vois. Tout ça pour dire quoi? C'est le deuxième dimanche multiple de 7 de janvier de l'an de grâce 2018, du réveil de l'esprit. Pour affûter vos subconsciences, parce que vous n'en avez pas. C'est à la question. Bienvenue sur la cabine de pilotage. Je suis en train de chier un bon coup, mon gars. Et alors, où est le problème? Je rends mon rapport de combustion à la Terre. Je comprends le molécule air, d'air. C'est dans l'air, il faut changer d'air. Comme ça. Bon, ça veut dire quoi? Veut dire, il y avait Julien Clerc, tiens, télé. Quoi d'autre? Bon, ils font toujours que de la merde. Quoi d'autre? Enfin. Le Messie à la Guy Béard, quoi, tu sais. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Eh ben non, il doit être glorifié. J'étais à moins 92,23 €, donc il me restait 5 euros, 7 euros, je sais pas combien. Eh ben, il n'y avait pas de tabac roulé à ce prix-là. Trop cher maintenant. Donc j'ai acheté un paquet de clopes, mais il va durer juste la journée. J'ai fait une carte bleue à 7,20 € quoi. Il doit y avoir dans mon autorisation de découvert 20 centimes de découvert encore. Tu vois le truc. Enfin, plus qu'il pleut, je passe quand même un dimanche avec pas de mégots par terre. J'ai fini mes crêpes périmées. Enfin, périmées, c'était pas périmées, c'était très bonne. Crêpes aux endives, au jambon fromage, aux sauce blanche, impeccable. J'ai bien mangé. Mais toujours en pensant à ceux qui n'ont rien à bouffer, en pensant à tout ce qu'on gaspille en France, à votre société de bande de cons, dernière sommation. Tu vois le truc? Moi, j'étais tout gentil. Il y avait un mec, hein, le gros, là, avec la blouse bordeaux ou violette, je sais pas quoi. Il a pas trop mal parlé. Bon, ok.